être facile je me suis absenté tout à l'heure quelques minutes quelqu'un m'a interpellé et m'a dit euh, pouvez m'expliquer à quoi tout cela va servir j'ai pas encore trouvé la réponse et puis je me suis rappelé euh, des mots qui ont été prononcés tout à l'heure par l'un des nombreux magnifiques euh, intervenants qui disaient euh, une petite chandelle toute seule ne va pas nous sortir de l'obscurité, mais de nombreuses chandelles peuvent euh, nous éclairer la voie. Eh bien, ici euh, a jailli aujourd'hui une magnifique lumière. Et j'espère que cette lumière, au retour dans vos pays, va pouvoir euh, diffuser, créer une forme... Euh, de contagion, d'espoir, d'audace et d'innovation. Mais je voudrais quand même me tourner derrière, euh, face à Jean-Paul Delevoye, pour lui dire quand même que vous avez été sacrément audacieux aujourd'hui en autorisant que dans cette enceinte, d'abord, on vienne chanter, danser presque, et puis qu'on utilise un vocabulaire ou des mots qui, je ne pense pas, soit commun dans ce type d'hémicycle, et notamment un mot que j'aurais presque hésité à prononcer, qui est le mot amour. Eh bien, je voudrais simplement vous dire que quelqu'un disait que un jour... Nous allons redécouvrir le feu. Parce que nous parlons d'énergie renouvelable, mais il y a une énergie renouvelable, abondante. Et quand on va l'utiliser, on va redécouvrir le feu pour la deuxième fois. C'est effectivement l'énergie de l'amour. Et je sais qu'ici, vous êtes en capacité de comprendre combien cette dimension est essentielle. Et puis en dernier lieu, je voudrais simplement d'abord vous remercier parce que... Je sais que ces euh, événements sont toujours un peu frustrants parce que nous devons limiter notre temps de parole et nous avons tellement de choses à exprimer, à écouter. Et que vous avez été particulièrement disciplinés. Et merci d'avoir euh, fait tout ce chemin pour euh, nous retrouver. Mais je voudrais m'adresser pour terminer au peuple indien d'Amazonie au peuple du Sahel, aux hommes et aux femmes du Bangladesh et plus généralement à l'Afrique. Ne doutez pas une seule seconde que si les uns et les autres, et notamment moi, nous sommes engagés et que nous ne cédons jamais au désespoir qui pourtant, parfois, nous tend la main, c'est parce que nous sommes ici d'abord pour défendre vos intérêts et relayer vos messages que nous avons entendus. Merci beaucoup. Et j'en je, oublie tous mes devoirs, tout en saluant l'arrivée de Laurent Fabius, qui a sur ses épaules l'énorme responsabilité de, diplomatique de la conférence 21 partagée avec Ségolène Royal. Et je laisse donc la parole au ministre de l'écologie, Ségolène Royal.